Comment je vais trouver? Ça, c'est un poisson Madame Tombé. D'accord? Moi, j'ai trois Madame Tombé. Donc, si nous pouvons préparer ça, nous pouvons faire un bouillon, ali, nous quitter qui goût, les gagner, et comment faire, ali, et sans de l'huile, nous pouvons mettre de l'huile dans nos bouillons, man. Continuez, vous êtes pour connaître. Laisse-moi nettoyer les bovines. Je vais vous montrer toi comment faire une bonne boulette. Tu as ouvert ce filet? On finit couplé bien correct. Alors, c'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, nous allons couper le filet. Je vais vous montrer ce qu'il nous faut faire. Nous, madame, tu as ouvert ce qui nous restait. Qu'est-ce bien? Ça, c'est une recette qui va vous servir tout dans le poisson. Hein? Même si ce man piquant, si nous vous servir. Comment nous vous servir? Continuez de vous trouver ce qu'il faut faire. On prend une couillère. On va gratter tout ce man la viande qui est dans. L'eau ça piquant là, c'est là, ça vous gagne autant la viande. Je prends les, je garde dans un petit bol, tranquille. Et comme ça, nous pouvons prier tout ça là, nous pouvons gratter là. Tout ça là, nous pouvons gratter, nous pouvons tirer. Et ça est bien passé pour gratter, c'est bien difficile. Et pas de couiller l'eau là, tiens ça va dans la viande là. Ça va dans la viande là, nous pouvons faire une boulette là, man. Une boulette, de même, je ne sais pas pourquoi, c'est bien bon pour manger. Là, allez. Allez là, je finis de tirer tout, je finis de gratter tout. Ça au milieu là, c'est un énergie monde qui va prendre une fourchette encore, continue à gratter. On va continuer à gratter encore, de vous gagner encore. Mais moi, c'est ce que je vais faire là. Moi, pour cette ça là. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, pour servir, moi, je vais faire un bouillon avec ça. C'est qu'il y a encore un casse qui me reste là. En même temps, quand on mange des bouillons. Et là, je vais finir de tirer tout ce monde la viande là. La viande là, finit bien casser. C'était mon point. Mélange un petit peu la poudre quand on avec un petit peu d'assaisonnement. Je vais faire livrer une boulette. Normalement, je vais faire au miro 20-25 boulettes là-dedans. Et ça, c'est un autre carré en port. Mais on voit, c'est le poisson là, non, il n'y a pas été. Continue qui était pour mon résultat là. Allez là, moi, on met des couilles à la poudre 15 là-dedans. Des couilles à la poudre 15. Après, moi, on met un petit peu. Un petit peu de gitan, pas beaucoup, mais on mélange ensemble là. Avec un petit peu de l'herbe de province, ça, c'était là. Avec 10 poivres, c'était là, de la cousine, on met un petit peu de poivres. Nous, pour mélanger, nous faisons évidemment une boule là. D'accord? On finit de mélanger. À ce moment-là, on a pour mélanger tout ensemble. D'accord? Très belle affaire, hein? Maintenant, on se trouve ensemble bien. Et vous pouvez commander la pâte. Et là, nous faisons un petit boulot. Là, vous n'avez pas mis trop beaucoup là pour le temps. D'accord? En même temps, là, nous finissons de faire nos boules. Nous allons faire nos bouillons. Qui nous mettre nos poissons cuits. Nous pas oublier, nous couillons nos bouillons avec nos man coca, ce qui nous reste. D'accord? Et là, on finit bien mélangé, bien correct. Et là, si vous avez envie, mettez un peu. Mettez un peu de zéhazam, de temps à mettre zéhazam. Si tu as envie de mettre un peu de dissélan plus, de temps à mettre de dissélan plus, d'après ce goût. Si tu as envie de mettre un petit peu, moi pas connais moi, qui lève, tu as envie de mettre là-dedans, côté au milieu, tu as mettre, et puis moi, pour mettre tout ça là-dedans, je vais vous montrer de faire une façon de la cuisine simple. D'accord? C'était un bon mélange, je vais faire mon. Pas faire gros boules comme ça, hein? Gros boules, pas pour ça autant bon, là. Je vais faire un petit boule, faire des fois ça. Comme ça, je vais gagner un petit peu en plus. D'accord? Mettez, fais-les bien. Et là, il fait une boule comme ça. Ok? Fais-y bien. Fais une boule de bien correct qui était ouverte. Et là, nous pouvons finir avec nos bouillons. Comment nous bouillons, peut bouillir, nous pour cool ça. Là. Donc, quand on fait notre bouillon de cette façon, c'est qu'il est un petit fait. Moi, je vais faire un bouillon de la bonne façon. Moi, je vais mettre un petit peu de safran avec un bout de joyon, avec des pommes d'amour en bas là. Je vais craser dans mon linex avec un petit bout de piment. Je vais mettre du piment comme j'ai envie. D'accord? Je vais craser dans mon linex, après, nous pouvons casser. Et là, je vais mettre une goutte d'huile, pas beaucoup. Je vais mettre un d'huile devant. Je vais mettre un petit peu de recette qui est un petit peu pareil. Là, je vais mettre un petit peu de cilantro. D'accord? Nous pouvons tout dans un petit fait là. Parce que nous pouvons fricasser nos paste, ce qui nous fait préparer. Nèg bit di là-dedans, doucement. Le ça baisse de fait, sinon il peut se côté trop beaucoup. D'accord. Ça nous pourra bien ça, voilà. Allez, une bien fricassée qui est coulée de sans zèbre. On va vous mettre de l'eau là-dedans. Dans ce que vous pouvez faire là, mon brossi, on va vous mettre tout le monde de carcasse gris là-dedans. Pas de frire dans rien, on va mettre tout le monde de carcasse gris là-dedans. Pas de frire du tout. On pourrait s'accorder ça cuit bien avec sa bouillon là. Là. D'accord? On pourrait aussi bien cuire 5 à 5 minutes pour là. Le silence finira dans le bouillon là, bien dans sa épices qui m'ont crasé là. Là, on va mettre mon délo là-dedans. Donc bon, voilà, allez, bien. On finit de mettre Yazou. C'était l'autre 5-6 minutes. Pour. Il finit de cuire 3 minutes. Et bien, on virer tout. Qu'est-ce que couler? Il vient bien zone non. Il va mettre belles, belles épices dans les mains. Astier, nous mettons nos délo. Pour faire la paix sautée comme ça. Astier, nous mettons nos délo. Nous laissons bien bouillir.
On finit mettre mon délo. Bon, aussi bien bouillon encore. Bon, aussi bouillon de sa couleur. Reste bien bouillé. Là, nous pour mettre nous boulettes. Et bien, on mettait là. On mettait dans bouillie. Dans des poulets. N'est-ce pour couler là-dedans. Bien facile. On mettait un délo aussi. Et le guetter pas pour casser. Pas casser lui parce qu'il fait des embouilles. Comme la viande rentre dans la sauce, il finit de saisir en même temps. Pour faire mon boulette bouillir 3 à 4 minutes, regarde bien, mon rôle de moment de boulette qui m'a fait couler, il y a des autres encore pareils, vous trouvez? Là, on va aussi bouillir 3 à 4 minutes. Une bouille d'eau, tu fait, regarde bien, c'est bien bouillie. Il bouille près de 3 minutes, voilà. Et mon moment de boulette encore intact, d'abord. Mon moment de boulette encore intact, c'est vrai. C'est bon, on finit parce qu'il finit de cuire. Il faut le goût de cuire. Allez, là, je casse la vidéo. Parce qu'il finit presque pareil. On mettait dans mon petit bol. Dans le déco, nous petit bouillon. Je vais quand mettre un petit peu de la caisse de là-dedans. Je vais mettre la caisse là, et sur la menthe, guetter les autres, comment je vais faire là. Après, je vais boire. Aujourd'hui, je vais te réussir à prendre une boulette de poisson, comment faire de la cage. Si tu es content de votre recette, like, nous passe là-haut, après, puis nous pouvons venir avec une nouvelle recette bientôt. Allez, mademoiselle, bonne année et joyeux Noël.